Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi tu dois absolument faire tes pizzas au levain naturel. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu viens de me découvrir ou si tu me suis depuis un certain temps mais que tu n'as toujours pas téléchargé le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza, c'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc n'hésite pas à cliquer dessus. Tu vas atterrir sur mon blog, tu verras, il y aura quelques formulaires qui vont te proposer de télécharger ce manuel. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu vas le recevoir dans ta boîte mail et tu vas apprendre plein de choses justement pour bien choisir ta farine à pizza et tu pourras ensuite faire tes propres choix. Donc revenons un peu au sujet de cette vidéo. Donc pourquoi tu dois absolument faire tes pizzas au levain naturel. Donc si tu me suis depuis un certain temps, tu dois savoir que je suis quelqu'un qui aime le levain naturel, qui aime les produits bio, qui aime les produits locaux. C'est pas parce que c'est pas parce que j'ai envie d'aimer ça, c'est que tout simplement je suis passionné par ça, c'est quelque chose qui m'attire et en plus de ça, je suis certain que c'est l'avenir. Alors je m'explique. Je pense que depuis le confinement, je pense que les gens ont pris conscience qu'il était important de revenir à la base, de revenir aux choses importantes. Et donc, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes pendant le confinement qui ont commencé à refaire leur pain eux-mêmes, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc peut-être que le confinement a fait du bien, justement. Et donc, lorsqu'ils avaient envie de faire leur pain, il y a eu quelques ruptures de farine, de levure ou autre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de s'intéresser à faire leur pain eux-mêmes sans levure. Donc, ils ont probablement tapé sur Internet, fait quelques recherches et ils sont tombés sur la méthode du levain naturel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire leur pain au levain naturel pendant le confinement. Donc, on a bien vu un engouement autour du levain naturel pendant le confinement. Et donc, moi, je suis persuadé que c'est l'avenir, les gens ont de plus en plus envie de revenir à l'essentiel, ils ont envie de consommer des bons produits. Et donc, si tu es un professionnel, donc qu'est-ce que ça va t'apporter de faire tes pizzas au levain naturel? Alors, que ça soit, que tu sois professionnel ou que tu sois particulier, pour moi, ce que ça va t'apporter, c'est que tu vas te différencier. Alors, je m'explique. Si tu es professionnel, faire tes pizzas au levain naturel, tu vas forcément te différencier, ça c'est une certitude, j'en suis sûr à 200%. Tu peux faire le test de regarder dans ton département, dans ta région, de voir un peu les concurrences qu'ils font et tu verras qu'il y a très très peu de personnes, même pratiquement zéro pizzaïolo qui utilisent le levain naturel dans leur pizzeria. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, c'est quelque chose que très peu de personnes maîtrisent. Et du coup, toi, si tu t'intéresses au levain naturel, que tu maîtrises cet art, tu vas pouvoir te différencier, tu vas pouvoir cartonner. Si en plus de ça, tu as un concept un peu à base de produits locaux, de produits bio. Par exemple, si tu, je sais pas, si tu vas chercher tes légumes sur le marché, si tu prends la farine chez un minotier de ton département, etc. etc. Si en plus tu ajoutes à ça le levain naturel, moi je suis persuadé que ton concept va forcément cartonner parce que c'est quelque chose que les gens aiment. Les gens redécouvrent tout ça et ils ont envie de revenir à ce qui est naturel. Et si en plus la cerise sur le gâteau, tu utilises un four à bois, alors là tu as le concept 100% pour cartonner. Donc voilà, donc là c'est quelques petites pépites que je t'ai partagées. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne veux pas dire que c'est la réalité, je ne veux pas dire que c'est ce qui fonctionne partout dans toute la France. Mais si ce concept-là est bien fait, qu'il est bien, si tu communiques bien sur ce concept-là, pour moi, tu peux que cartonner. Et en plus de ça, tu vas te différencier parce qu'il y a très peu de personnes qui font ce genre de concept. Voilà. Alors, en tant que particulier, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu vas te différencier aussi, pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire une pizza au levain naturel ou lorsque tu vas parler avec tes collègues, avec tes amis, avec ta famille de ta passion pour la pizza au levain naturel, forcément que les gens vont se questionner. Parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent, n'auront jamais mangé une pizza au levain naturel, donc forcément qu'ils vont se questionner, ils vont avoir envie de goûter. Donc tu vas te différencier. Exactement comme le professionnel, mais à ton niveau. Donc avec tes proches. Donc voilà. Donc la deuxième bonne raison pour moi de faire des pizzas au levain naturel, c'est que c'est bon pour la santé. Ça a été prouvé plusieurs fois par des statistiques. Tu peux aller vérifier sur internet. Une pâte à pizza ou une pâte à pain faite au levain naturel sera toujours meilleure qu'une pâte à pizza ou qu'une pâte à pain faite à base de levure. Pourquoi? Parce que le levain naturel à ses propres fonctions qui permettent de garder comment ça s'appelle
des effets nutritionnels qui vont être supérieurs à la pâte à la levure. Et en plus de ça, c'est très bon pour les gens qui ont des problèmes de digestion, qui ont des problèmes d'allergie. Et en plus de ça, c'est un produit qui va permettre une conservation, une longue conservation qui va vraiment être meilleure pour la santé, pour tout un tas de raisons. J'ai pas forcément la liste en tête là parce que je fais la vidéo là un petit peu à l'arrache. Mais voilà, c'est vraiment tout un tas. Je te les noterai, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer un peu, mais je crois que j'en ai déjà fait. Les bonnes raisons d'utiliser le levain naturel pour la santé, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique et qui a été prouvé. Et au niveau des statistiques, ça a été notamment prouvé plusieurs fois. Donc voilà, la troisième bonne raison pour moi pour laquelle tu dois faire tes pizzas au levain naturel, c'est que c'est un art qui s'est perdu parce qu'on l'utilisait pour le pain il y a des siècles et des siècles. Et lorsque la levure est arrivée, bah forcément, l'être humain est un peu feignant et du coup, la levure a pris le dessus sur le levain naturel parce que mettre une petite poudre dans sa farine et finalement la pâte, elle est beaucoup plus facilement qu'avec du levain naturel qui lui demande de l'attention, demande du temps, demande plein de choses, bah forcément la plupart des boulangers se sont mis à faire leur pain à base de levure. Mais depuis plusieurs années, on voit les choses qui commencent à changer. Il y a beaucoup de boulangers paysans qui commencent à se mettre à ouvrir leur fournil, à faire leur pain à base de levain, avec des farines anciennes, etc. Et de plus en plus, il y a des formations, et de plus en plus, il y a des gens qui se forment, et de plus en plus, il y a des gens qui sont intéressés à tout ça. Mais dans la pizza, c'est encore un peu, c'est le vide, c'est le chaos, parce qu'il y a très très peu de personnes qui se mettent à faire des pizzas au levain naturel, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup sur les groupes de pizzaïolo, les groupes Facebook, quel est le sujet qui est mis en avant à chaque fois, c'est la pizza napolitaine. C'est la pizza napolitaine qui prend tous les sujets dans les groupes Facebook. Un débutant va vouloir faire en priorité une pizza napolitaine. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de la pizza, parce que c'est beaucoup médiatisé. Lorsqu'on voit un reportage sur la pizza, en général, c'est sur la pizza napolitaine. On ne voit pas toutes les autres sortes de pizza. C'est toujours pizza napolitaine et pizza napolitaine. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on oublie un peu tout ce qui peut se faire à côté. Et c'est pour ça que moi, je suis là justement pour mettre en avant le levain naturel pour la pizza. Parce que c'est un art qui est perdu, qui est difficile à maîtriser, qui est pourtant simple en lui-même, mais difficile à maîtriser parce qu'on manque d'informations, on manque de formation. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de convertir un maximum de personnes à faire leur pizza à base de levain naturel, parce que c'est quelque chose pour moi qui c'est peut-être un pari un peu fou, mais je pense que c'est l'avenir. Les gens vont revenir à tout ça, vont préférer peut-être même que si c'est long, si c'est dur, si c'est difficile, ils vont peut-être préférer ouvrir une petite structure, vendre une trentaine ou une quarantaine de pizzas par soir, travailler tout seul, mais faire un bon produit à base de pizza au levain naturel avec des produits locaux, comme certains boulangers font. Il y a certains boulangers, ils prennent une cinquantaine, on va dire 80 personnes, et ils ont leur agenda qui est plein. Ils prennent personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de rester sur une petite structure qui fonctionne au levain naturel. Le levain naturel, ça prend du temps. Si ils veulent produire plus, il va falloir soit qu'ils accélèrent leur processus, soit qu'ils emploient. Donc il y a des gens, ils n'ont pas envie d'employer, ils ont envie de rester tout seuls à travailler. Et donc tout ça fait qu'on a de plus en plus de petites structures, des boulangers qui font leur pain au levain naturel. Et quand on essaye d'en acheter chez eux, en général, ils ont le cahier qui est plein et on ne peut pas obtenir de pain parce qu'ils sont complets. Mais ils veulent rester sur une structure comme ça, ils ne veulent pas forcément se développer plus. Et je pense que la pizza, c'est ce qui va se passer. Là, on est vraiment dans une période où la plupart des pizzaïolos veulent s'industrialiser. En gros, ils ont leur pizzeria, ils veulent toujours plus, ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un distributeur de pizza pour pouvoir vendre plus. Pour moi, plus ils vendent, forcément, plus la qualité diminue. Même s'ils ne sont pas d'accord, c'est statistiquement prouvé que
que bah, plus on produit dans tout, hein, plus on fait des choses, plus la qualité diminue. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra contredire parce que c'est comme ça, tout simplement. Et donc, on est vraiment dans une période où le pizzaïolo essaye de faire plus, essaye de vendre plus, essaye de concurrencer les industriels, parce que finalement, le pizzaïolo qui se dit, entre guillemets, artisan, alors oui, il est artisan parce qu'il fabrique sa pâte à pizza, mais dans la pratique, je trouve, moi, il s'industrialise plus que ce qu'il devient artisan. Donc, je pense que dans l'avenir, les gens en ont marre de ça. On voit que les distributeurs de pizza, les gens, ils commencent à en avoir marre. Ils ont goûté une fois, ils ont apprécié. Ils ont goûté une deuxième fois, ils ont moyennement aimé. Ils ont goûté une troisième fois, ils ont été déçus. Et ainsi de suite. Et pour moi, ce que je remarque, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont testé ce genre de produit, de plus en plus, ils sont déçus. Et par contre, je pense qu'il y a vraiment un marché. Du pizzaiolo qui lui va faire les choses plus lentement, qui va peut-être vendre moins, mais suffisamment pour vivre, et qui va faire les choses à base de levain naturel, à base de produits bio, à base de produits locaux, et qui va rester sur une petite structure tout seul. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir, et en tout cas, je ferai en sorte de participer à ce développement parce que je suis passionné par ça et je suis aussi sûr que c'est l'avenir et que les gens ont besoin de ça parce que on est dans une vie où tout va trop vite et la pizza c'est pareil. Quand on voit maintenant que les pizzaïolos, dès qu'ils ouvrent leur pizzeria, la seule chose qu'ils ont comme projet, c'est d'en ouvrir une deuxième, ou d'acheter un distributeur, ou de monter une franchise, ou autre, etc., etc. Et du coup, leur qualité diminue parce que du coup, comment dire, ils se développent plutôt que de développer leur propre qualité et de garder un rythme qui va leur permettre de garder aussi une qualité. Parce que plus on va dans le développement, plus la qualité diminue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, donc pour moi, c'est toutes ces raisons-là pourquoi tu dois absolument faire tes pizzas au levain naturel. Alors pour l'instant, je suis un des seuls sur Internet à parler du levain naturel, mais c'est vrai que j'ai vu certaines personnes qui étaient sur la pizza napolitaine, qui ont probablement regardé quelques vidéos que je faisais, qui commencent à parler des farines locales, qui commencent à parler des. Donc je serais pas étonné que dans quelques temps, il y ait quelques youtubeurs sur la pizza qui mettent en avant le levain naturel. Mais sache en tout cas que je suis l'un des premiers à mettre le levain naturel en avant pour la pizza et je serais ravi de t'accompagner dans cette démarche. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a convaincu à t'intéresser au levain naturel si tu ne connais pas le levain naturel et à t'y mettre si tu connais et que tu n'y es jamais mis. Et n'hésite pas à partager tout ça sur mon groupe Facebook. C'est le deuxième lien, je crois, en dessous de cette vidéo, dans la description. Donc, n'hésite pas à partager toute cette belle aventure que tu vas pouvoir faire avec le levain naturel. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ce format te plaît. Donc, tu vois, c'est un format un peu plus long où je vais parler un petit peu plus. Et je vais te raconter un peu des histoires et un peu mon ressenti sur ce qui se passe actuellement. Donc voilà, donc n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager à tous les passionnés de pizza, à tous les passionnés de levain naturel. N'hésite pas non plus à me dire tout ce que tu veux dans les commentaires. Et je te répète encore, si tu n'as pas encore télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza, n'hésite pas à le télécharger, c'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Donc n'oublie pas, fais partie des personnes qui épatent et qui régalent leurs proches avec des pizzas saines, c'est vraiment important. Je te dis à demain dans une nouvelle vidéo, ciao ciao!